Une bande riveraine est une bande de terre couverte de végétation longeant une rivière, protégeant cette rivière de l'activité des animaux à proximité. Alors, on va faire le dessin de cette bande riveraine. On va d'abord dessiner la rivière, voilà, en bleu. Voilà, et on a donc une bande riveraine. Bon, on va en faire une de chaque côté. Voilà, de ce côté-là. Et de ce côté-là aussi. Alors supposons que tu possèdes une ferme proche d'une bande riveraine, la bande commence à une distance S de ta ferme, et se termine à une distance B de ta ferme. Quelle est la taille de la bande riveraine Bon, alors ici, on va, on va dessiner la ferme, on va en tout cas dessiner les cultures de la ferme comme ça. Hop, en vert, elles vont aller jusqu'à la bande. Euh, non, pas, non, pas forcément, on va, non, non, voilà, on va les faire un peu plus petits, Voilà. Ça, c'est la limite de ta ferme, à partir de laquelle on fera donc le calcul des distances. Et donc on nous dit que la distance S c'est entre la ferme, enfin entre la limite de la ferme et le début de la bande riveraine. Donc c'est ça. Ça, c'est S et B entre la ferme et la fin de la bande. C'est donc ici, ça c'est la distance B. Voilà. Et donc on nous demande quelle est la taille de la bande riveraine. Bon, et eh bien grâce à ce sublime dessin, on peut déjà dire que ça devrait être B moins S. Pour trouver la distance, la taille de la bande riveraine, c'est-à-dire cette distance-là, on voit sur le dessin que c'est la différence entre B et S c'est donc B moins S. Mais alors attention, on aurait aussi pu considérer que le début et la fin de la bande étaient inversés. On peut dire par exemple que la bande elle démarre ici. Ce qui veut dire que cette distance là c'est plus B mais c'est S entre le début de la bande et la ferme. Et la distance entre la fin de la bande qui est ici et la ferme c'est donc B, c'est ici. Donc là on inverse les deux distances en fait. Et donc la longueur cette fois de notre bande riveraine ce sera plus. B moins S, mais ce sera plutôt S moins B. Voilà, S moins B. Mais dans les, dans les deux cas, de toute façon, ce qu'on cherche, c'est une distance. Ce sera donc un résultat positif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la valeur absolue de ces deux résultats, de B moins S et de S moins B. Donc la valeur absolue de B moins S et la valeur absolue de S moins B, c'est-à-dire cette distance-là. Si on les calcule, on va trouver exactement la même chose puisqu'elles représentent exactement la même distance, celle-là et celle-là, c'est-à-dire la longueur de la bande riveraine. Donc la valeur absolue de B-S est bien égale à la valeur absolue de S moins B. Ce sera exactement le même résultat. Allez, un autre exemple. Monsieur Kahn a la faculté de, de voyager dans le temps. Il se trouve actuellement en 1999 dans un parc et se rend compte qu'il a oublié son chapeau. Pour le retrouver, il va voyager pendant t années où t est un nombre négatif, un nombre négatif représentant un retour vers le passé. Que peut-on dire de la somme 1999 plus t Donc on nous dit bien que t est un nombre négatif, c'est un saut dans le temps vers le passé. Voyons les choix qu'on nous donne. Alors ici, 1999 plus t est supérieur de la valeur absolue de t à 1999. Alors ça, ce serait vrai si t était positif. Hein, pour que 1999 plus t soit supérieur à 1999, il faudrait que t soit positif, forcément. Or, il est négatif. Donc c'est faux. En dessous, 1999 plus t est inférieur de la valeur absolue de t à 1999. Alors là, pourquoi pas Voyons ça. Prenons par exemple, admettons que t soit égal à moins 3, par exemple. Bon. t égal à moins 3, donc 1999 plus t, 1999 moins 3, c'est 1996. Et c'est bien 3 de moins que 1999. Or, ce qu'on sait, c'est que 3, c'est bien la valeur absolue de moins 3. Donc, 1999 plus t est inférieur de la valeur absolue de t à 1999. C'est vrai donc on a la bonne réponse. Tu perces ton plancher pour y planter un clou. Le fond du trou se trouve à une profondeur de 2,3 cm. Donc on va déjà dessiner le plancher, enfin le sol. Je voilà, recommence, voilà. On dessine, ça c'est le sol, et donc on fait un trou de 2,3 cm de profondeur. Voilà, donc si on dit que le sol est au niveau 0, et bien ici on sera à... Moins 2,3 en fait par rapport au sol. Bon. Ensuite, le clou mesure, mesure 4,7 cm. Quelle est la différence entre le haut du clou en dehors du trou et le haut du clou quand il est dans le trou On va dessiner tout ça pour que ce soit plus clair. On a donc un clou de 4,7 cm. Hop, le temps de prendre la... Voilà. Couleur, le clou. Je vais le dessiner là. Comme ça. Et sa hauteur, c'est... 4,7 cm. On va faire une échelle sur le côté hein, pour que ce soit encore plus clair. Voilà, ici on est donc à moins 2,3 par rapport au niveau 0 du sol, et ici on est à 4,7 par rapport au niveau 0 du sol. Quelle est la différence entre le haut du clou en dehors du trou et le haut du clou quand il est dans le trou Donc imagine qu'on qu place le clou dans le trou. Ça veut dire qu'il va donc s'enfoncer de 2,3 cm dans le sol. On va le dessiner comme ça, une fois qu'il est dans le trou. Et donc, ce qu'on va chercher déjà, c'est à quelle hauteur on est ici. Mais en tout cas, ce qui apparaît bien quand on dessine tout ça, c'est que cette distance-là, la distance entre le haut du clou dans le trou et le haut du clou en dehors du trou, cette distance-là, c'est bien 2,3 cm. Puisque le clou est enfoncé de 2,3 cm dans le sol. Il a donc perdu 2,3 cm en hauteur. Donc quelle est la différence entre le haut du clou en dehors du trou et le haut du clou quand il est dans le trou Donc imagine que l'on place le clou dans le trou, ça veut dire qu'il va s'enfoncer de 2,3 cm dans le sol, donc on le dessine comme ça. Voilà, et donc on va, on va chercher à quelle hauteur on est ici, en haut du clou quand il est dans le trou. Ce qui apparaît bien quand on dessine tout ça, c'est que la distance ici, qui est la distance qu'on cherche, ça va bien être 2,3 cm. Cette distance-là, c'est 2,3 cm. Puisque le clou est enfoncé de 2,3 cm dans le sol, il a donc perdu 2,3 cm en hauteur. Et donc, quelle est la différence entre le haut du clou en dehors du trou et le haut du clou quand il est dans le trou C'est cette distance, c'est 2,3 cm.